Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 25 juin 2020. Conseil des ministres, carte nationale d'identité, l'ancienne CNI valable jusqu'à juin 2021, peut-on lire à la une du journal gouvernemental Fraternité Matin. Justifiant cette énième prorogation de la validité des CNI ivoiriennes, le porte-parole du gouvernement a soutenu que l'opération de délivrance de cette nouvelle CNI, lancée le 17 février dernier, n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes CNI de procéder à leur enrôlement en région. Des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Les détails dans Fraternité Matin. La CNI actuelle prorogée jusqu'en juin 2021, le gouvernement rejoint enfin Bédier par à sa une le journal Le Nouveau Réveil. Quand la réalité rattrape la propagande, une autre preuve de la clairvoyance du président du PDCI RDA. Les détails dans Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Audience du 24 juin, en colère, le juge de la chambre d'appel, Foudroy Ben Souda, nous dit le quotidien d'Abidjan à sa une. Tout sur les questions pertinentes de Chile et Boué aux juges qui ont dérouté l'accusation. Lire un large extrait des échanges entre l'accusation et la défense. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.